Messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art qui s'articule toujours autour du format, du genre, des métiers et toute autre question qui s'articule autour de l'industrie cinématographique. Alors, le numéro de la semaine sera consacré à un réalisateur que nous avons déjà reçu sur ce plateau. Il est de nouveau présent avec nous pour parler de son second film. Je parle de son second long-métrage qui s'intitule « Terre de vengeance ». Le faiseur d'images en question n'est autre qu'Anis Jad. Anis Jad, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, plusieurs courts-métrages, Hublot, Passage à niveau, Le voyage de Kultum, un long-métrage Le jour d'après et La nuit d'Abed. La nuit d'Abed, que je n'ai pas eu le plaisir de voir, mais je vais rectifier. Des réalisations couronnées de prix, de critiques pour la plupart. Et voilà qu'Anis Jad remet le couvert pour un nouveau film, le titre Terre de vengeance. Avec ce second long métrage, sommes-nous toujours dans une approche néo-réaliste? Je ne sais pas si je pourrais parler encore de cette thématique. Bien sûr, moi, c'est mon cinéma, le néo-réalisme. Mais bon, on est dans une période de doute, parce qu'on est en train, on vient de terminer le tournage, on est déjà en montage, bon, au tout début du montage. Donc, on est dans le doute, en fin de compte. On n'a pas encore eu l'ours ou le bout à bout pour voir si vraiment on est encore dans cette démarche. Mais je pense que cette fois-ci, on s'en éloigne un peu de ce néo-réalisme. Ça reste néo-réaliste, mais je pense que le récit a pris un peu le dessus sur le filmage, en fin de compte. Donc la fiction, je pense qu'elle est un peu plus importante que dans ma vie d'après. Je le pense, hein. Maintenant, il faut découvrir, une fois le bout à bout fait, on va découvrir est-ce qu'on est resté dans le même cheminement ou est-ce qu'on s'est écarté un peu. Mais bon, ça reste quand même une démarche assez néo-réaliste. Vous êtes en train de me dire que l'idée de départ, lecture, c'est-à-dire, on s'en éloigne, mais peut-être qu'il y a eu, tiens, pourquoi pas, c'est-à-dire approcher cette piste, pourquoi pas aller vers cette piste qui semblerait peut-être plus intéressante, oui, abordée, je dirais, pour cette fois-ci. Si on commence par, en fin de compte, par le scénario, on est dans la même démarche. Rappeler à nos chers téléspectateurs que le Sénat, ça fait plus de trois ans déjà. Il y a eu plusieurs écritures. Il y a eu des ateliers d'écriture à l'étranger. Méditalent. Méditalent, ouais. Surtout Méditalent. Ouais. Et voilà, dans le scénario, on a l'impression qu'on est dans la même démarche. Mais une fois sur le tournage, je me suis rendu compte peut-être que je me suis un peu éloigné. Je pense, hein. Bon, on verra bien. Mais voilà, la matière crue ou brute, en fin de compte, elle est là. On sent ce néo-réalisme. Action! Mais après, dans le traitement filmique, je pense qu'on est. Je pense qu'on en saura plus après, la post-prod. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 24 ou 26 jours de tournage. 24 jours, oui. 24 jours de tournage, plus de 240 heures de travail. Parlez-nous un petit peu de ce film, de cette aventure-là. Tournage, comment ça se passe? L'aventure, bon, ça a commencé avec le scénario, avec l'écriture, la réécriture. Bon, ça a duré au moins 2 ans et demi. Et ce que je conseille à tous les jeunes scénaristes, c'est qu'on n'écrit pas des scénarios en un mois. On n'écrit pas des scénarios en 2 mois, en 3 mois, c'est pas vrai ça. Même à la limite pour un court-métrage, bon. Et encore, il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps pour écrire un scénario de court-métrage. C'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Même pour un tournage, on nous dit de tourner à 52 minutes, ils ont l'impression que sortir avec 52 heures, ou je vais dire 100 heures de tournage, cela suffit. Alors qu'il faudrait plusieurs mois pour... C'est ça aussi qu'on n'arrive pas à... Il faut... Bon, il y a des histoires en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup d'ateliers d'écriture, de scénarios. C'est vrai. Bon, c'est toujours encourageant pour les jeunes parce que voilà, c'est une histoire de s'habituer à l'écriture scénaristique et tout. Mais un scénario, ça s'écrit pas. C'est tellement long qu'on oublie même si on est en train de l'écrire, on est en train de faire autre chose. Je sens que c'est l'auteur qui parle aussi. Ouais, ou on est en train d'ailleurs de filmer sur papier, quoi. Donc voilà.
Donc pour l'acteur de vengeance comme pour la vie d'après, ça a pris quoi, 2 ans, 2 ans et demi d'écriture, avec des encadreurs, voilà, des gens Vous avez laissé formés. mijoter tout ça, d'abord, Oh, voilà. oui, bien sûr. Et une fois maintenant passé au tournage, en fin de compte, la réalisation, c'est la correction du scénario. C'est bien, j'aime bien ça. On corrige le scénario. Exact. Parce qu'il y a, J'aime bien cette. il y a des trucs qu'on a découverts sur le tournage, aussi bien les acteurs que les décors, que voilà, ça change. Donc on corrige. Et le montage vient aussi en correction de la réalisation. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il y a scénario, réalisation et montage. Finalement, avant la fin, on est toujours en mode de correction. Ah oui, On est là, on est non, voilà. on C'est corrige, on épuré corrige. en quelque sorte, c'est épuré un petit Oui, peu. Ouais. c'est d'abord le cinéma que je pratique, hein. Il est Bien, je vois. voilà, sobre, C'est pour ça que j'ai épuré. commencé, parce que nous sommes toujours dans cette approche. Ce que je connais, ce que c'était, c'est un peu votre signature. J'aime pas ça, parce que ça va vous reléguer simplement sur cette signature de néoréalisme et tout. Bon. Alors, juste après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est juste après la promotion de votre premier long métrage, par La vie d'après. Il y a eu, c'est-à-dire entre le premier et le second, le tournage, il y a peu de temps. Non, en fin de Est-ce compte, qu'il y a c'est. eu un, est-ce que c'était dans l'ordre des choses ou le hasard du calendrier, ou il y a un besoin, ou il n'y a pas besoin de prendre du recul entre le premier et le deuxième, malgré l'écriture du scénario qui s'est, c'est-à-dire qui s'est C'est ça, déroulé c'est bien avant. Bien, ça, c'est mais je ça. parle de tournage, c'est-à-dire vous étiez fait la promotion du film, du long métrage. Et juste après, ben, même pas pendant la promotion, parce qu'il y avait encore votre film, il y avait ce. Et là, j'apprends qu'Anijad, hop, vous serez un homme au Ouais. tournage. En fin de compte, c'est la promotion, et quand tu fais beaucoup de festivals, en fin de compte, quand le film participe beaucoup. Donc on a participé sur 2 ans, le temps de l'écriture du deuxième scénario, en fin de compte. Donc on ne se rend pas compte. On est encore dans les festivals, on participe avec la vie d'après, on ne se rend pas compte. Et on écrit en même temps, et voilà, après on fait que le tournage arrive juste après. C'est pour ça qu'on a D'ailleurs, La vie cette d'après, qui a eu impression. beaucoup de C'est ça. succès, beaucoup de C'est prix, ça, voilà. quand donc un film et la promotion dure 2 ans, donc on a l'impression que le second arrive tout de suite, alors que c'est 2 ans quand même, hein, Exact, 2 ans. d'écriture pour le Voilà, prochain, deux ans c'est ce que j'ai deux ans dit. de C'est-à-dire, promotion, c'est ça. il y avait le Donc on ne se rend pas très scénario, très bien mais voilà, compte. vous n'êtes Ouais, on pas. ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est long, 2 ans, hein, pour un réalisateur. Bon, on aimerait tourner quand même chaque année, hein. Moi j'aimerais bien tourner chaque Oui, année, hein. ça va. Mais bon. C'est les conditions aussi financières Sont-elles, ça sont dirait. voilà, elles sont compliquées. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour le cinéma. Bon, heureusement que les choses, en fin de compte, sont rentrées dans l'ordre. Et Je donc dirais il y plutôt en train a. de s'améliorer, en train Oui, dans, non, parce qu'il y a des mais. salles, parce que moi je vois les Yeah. multiplexes, les projections de Ouais, films, non, moi je parle d'assises, d'organisation. d'organisation de la commission de lecture. C'est plus régulier, c'est voilà, il y a une transparence par rapport à ça. Donc nous, ça nous aide. Mais bon, un réalisateur aimerait tourner tout le temps, en fin de compte. Le tournage nous manque tout le temps, donc on a envie de tourner tout le temps. Mais bon, c'est pas le cas, hein. C'est comme ça. C'est 2 ans, c'est 3 ans, le temps de l'écriture et voilà, le temps de trouver le financement, et on démarre. Alors, là, je passe à la direction d'acteur. Justement, comment s'est déroulée la direction d'acteur? Je m'explique, parce que je prends je dirais, cette question par rapport à votre direction. On revient aussi c'est-à-dire le cinéma d'Annie Jaad. Parmi les protagonistes, il y a la présence de l'acteur Samir Al-Hakim. Et pour moi, ça possède ce jeu intériorisé. C'est-à-dire, voilà. Et j'observe que dans la majorité de vos films, tout format confondu, bien sûr, il y a cette volonté chez les personnages de premier plan qui ne sont pas dans la comédia dell'arte, c'est-à-dire dans ce jeu agressif. Dans ce jeu agressif, je dirais, c'est plutôt dans la nuance, l'expression du jeu, voilà, et c'est plutôt dans la nuance. Est-ce que vous avez ce besoin pour accompagner la trame narrative, besoin de ce jeu, de ce genre d'interprétation, pour équilibrer avec la trame narrative, pour pas que l'acteur, c'est-à-dire le jeu, dépasse l'histoire ou l'atmosphère. Est-ce que c'est ça? Oui, en fin de compte, tout part du scénario, c'est ça. Donc ces personnages principaux ou pas d'ailleurs, hein, principaux ou pas, c'est moi j'aime bien quand on dit presque rien, en fin de compte, à l'écran, c'est ça. On n'est pas dans un dans, je suis pas dans un cinéma, j'allais dire expressif. Ce matin, j'ai regardé un film, Il y ça. a un dialogue là où il faut. Ouais. Pas besoin. Et Allez-y. donc ce matin, avant de venir, je regardais un film que je conseille à tout le monde, parce qu'il passe sur
Il est sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Fortuna. C'est un film d'un réalisateur suisse. C'est alors Germinal Rouault. Voilà. Et ça parle d'une réfugiée éthiopienne qui a 14 ans et qui échoue dans un monastère dans les Alpes suisses. Là, je pense, pour répondre à votre question, je pense que ce film-là représente justement toute l'intériorité de ces personnages. Cette gamine de 14 ans, elle est dans un silence presque absolu. Elle dit presque rien, si ce n'est écrire des lettres. Et On est plus dans une posture. C'est difficile de filmer comme ça. c'est très, 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 très difficile. De donner la Mais parole simplement par le silence, à travers un c'est mouvement de ça. caméra. Mais justement, après, il faut savoir capter ce fort intérieur. On va pas rentrer dans une caméra On dedans, va c'est voir, clair. exactement. Ouais. Mais vraiment, c'est très, très Le difficile. jeu, il est encore plus difficile de Il est plus transcrire difficile. une Et émotion, même pour transcrire le. une émotion Oui. simplement par le silence, je veux dire le regard et aussi le mouvement qui accompagne la caméra. Là, c'est encore plus difficile. C'est un exercice. Je pense qu'il est encore plus difficile. Il est difficile pour les deux, pour le réalisateur comme pour le comédien Oui. d'abord. Et pour l'histoire aussi. Et L'objectif, pour c'est l'histoire. l'histoire. Oui. C'est pour ça que je reviens au scénario. C'est ça. Si on n'arrive pas à imaginer ces silences durant la phase écriture, c'est que le film va être vraiment mitch-mitch, hein. C'est ce que si c'est pas écrit, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire dans nos scénarios. C'est ça ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à retranscrire les émotions dans le silence en fin de compte, mais à travers déjà l'écriture. Si on ne la voit pas dans l'écriture, bon, à On a l'image, besoin de cette gestuelle, de ce dialogue pour certains. à Alors l'image, on n'aura que, pas grand-chose, hein. On oui, n'aura pas grand-chose. exactement. Bon, ça sera bien sûr, surtout quand on est dans le néoréalisme, c'est vrai qu'il y a, bien sûr, ça Il y a parle, des il y a écoles des aussi, l'école dialogues. Strasberg, l'acteur studio, Oui, il y a tout ça. mais c'est très, J'ai très vu difficile. certaines interprétations, simplement la présence de la personne, c'est-à-dire le fait de faire bouger, je dirais, ce gobelet par rapport au jeu. Je me rappelle simplement une scène qui a été improvisée, qui n'était pas là, de Marlon Brando dans Le Parrain avec l'histoire du chat, Ouais. ça, qui n'était pas prévu dans le scénario. Mais ça a donné une autre dimension au C'est personnage, vrai, le fait de c'est prendre. vrai. C'est pour dire en quelque sorte que certains va là, et c'était dans le silence. Ce mouvement, le fait de se lever, ce mouvement, le hochement de la tête, cette caresse, je dirais, sur le chat avec un mouvement, donnait, je dirais, une autre dimension à l'acteur, alors que ce n'était pas prévu. Là aussi, on salue. Ça, c'est une école, c'est notre école. C'est notre école, mais ce qui était bien en fin de compte, parce qu'on découvre à chaque tournage, on découvre des comédiens, même si, à commencer par Samir El Hakim, c'est un ami à moi. Oui, je sais, je le Donc sais. voilà, donc je le connais très très Il y avait bien. Maryam Il y Mishkan aussi, avait Maryam l'excellente Chepane, Maryam il y avait Mishkan. Shoqi Amari, et on découvre, bon, il y avait Rachid Ben Halal aussi, Choké Amari, hein. voilà, Franchement, épatant, ouais, étonnant. épatant, ouais. Ces dernières années, je le vois en tant qu'acteur, Non, mais mais c'est c'est un personnage, hein. C'est un c'est un peu. personnage, mais c'est quelqu'un qui fonctionne à la spontanéité, au fin de compte. C'est pour ça que c'est lui, il est vraiment acteur d'un film néo-réaliste. Exact. Il me parlait de ça. Parce Il dit, il faut qu'on qu'il est parle des d'une films d'auteur. Il spontanéité adore, voilà. vraiment, mais exceptionnelle. Ouais. Il est là, même quand on le voit sur le plateau, voilà, c'est choqué, comme on le connaît Voilà. dehors, C'est un voilà, personnage. c'est un Voilà. personnage, c'est magnifique. Et juste pour terminer sur les jeunes talents, ce qui est très, très important. Et j'aimerais d'abord saluer Djeli Boudjma Oui. de Mouja. Et alors, à chaque fois, comme je tourne tout le temps à Mostaganem, donc à chaque fois je reviens, Comme un acteur aussi que je viens de voir, qui fait partie de votre ouais. casting et qui joue un rôle important, et franchement, il a une présence terrible. Il joue dans la série Le Barani, je pense. Il joue le rôle d'un Ouais. policier, là, que je viens de voir en photo passer. J'ai oublié le Ah, nom. celui-là, bon, celui-là, d'abord, il est déjà de plus connu. C'est Hamid Karim, c'est Voilà, ça? voilà, Oui, voilà. bon. Lui, là, il a joué quand même dans beaucoup de films espagnols, beaucoup de longs-métrages espagnols. Donc, il a de l'expérience. Mais moi, je parle vraiment de jeunes débutants. On a Hicham Abdelfatah, qui était exceptionnel. Ah, d'accord, j'ai entendu parler. Si, on Exceptionnel. m'avait dit, oui. J'ai découvert aussi une fille, Lydia Lebga. Juste magnifique à l'écran. Et d'une justesse rare. Vous m'avez relevé, c'est-à-dire des acteurs qui Ah débutent mais oui, qui sortent du justesse, ça ah c'est oui, rare, c'est la ça c'est rare. justesse. Moi, c'est ce que je demande à un Hein? acteur, hein, c'est sa justesse. Ne pas sortir du texte ni Non. en faire trop, c'est être juste. Moi, j'aime pas trop l'improvisation. Ouais.
Je n'aime pas trop l'improvisation. Ben, l'improvisation, ce n'est pas forcément un oubli ou un truc. C'est, je veux dire, on maîtrise d'abord son texte. Il faut vraiment maîtriser son texte pour se permettre peut-être de nuancer, bien sûr, avec, je veux dire, l'accord du réalisateur, peut-être donner un plus à ça. Non, mais c'est en tout, fin de mais... compte, sur le plateau, durant le tournage, il y a des improvisations, j'allais dire, irréfléchies peut-être, non, c'est pas ça, c'est pas le terme, mais bon, ça vient comme ça. Oui. Mais il y a des improvisations dont on se rend compte. On se rend compte que le comédien a improvisé, mais il l'avait déjà en tête. Ah d'accord, c'était calculé, bien voilà. Ah, je dirais pas calculé. Ça casse un petit peu, un peu, on se rend compte. Oui. Le réalisateur, un bon réalisateur, je dirais. Il se rend compte que... Ça casse le réalisme que vous voulez transcrire à travers ce mais jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des improvisations comme ça, tac. Le mot improvisation, c'est ça, hein, c'est ça, improvisé. Oui, mais il y a des improvisations dont on se rend compte, et là, dont on peut s'en passer. Moi, je passerai, mais alors là, volontiers. Alors, le réalisateur possédant, là on revient, une approche néo-réaliste pour raconter les histoires filmées et en perpétuel questionnement, généralement. Est-ce le cas pour vous ou il existe une autre piste de réflexion concernant l'approche en question? Concernant cette approche. Parce que d'ailleurs, vous avez commencé à me donner un élément de réponse, vous dire, oui, il y a l'approche néo-réaliste, mais pour l'instant, peut-être qu'il y a eu une autre piste de réflexion. Est-ce qu'il y a un nouveau, un Ijad, quand je dis nouveau, je dis non, à travers ce second long métrage que nous n'avons pas encore vu, qui est en post-prod? Oui, je ne sais pas. Généralement, un réalisateur part sur une thématique. Oui, exact. Oui. Pour le moment, si on comptabilise un peu les courts-métrages, le premier long métrage, je dirais que ouais, on n'est pas trop sorti de cette trame-là, un peu néo-réaliste. Mais pour cette fois-ci, je ne sais pas. Peut-être c'est aux critiques et au public de le dire demain, quand le film sortira. Mais me concernant, non, je suis dans une période de doute. Voilà. Donc me lancer sur ça et dire. Oui, maintenant, cette question de mais c'est bien aussi. Le questionnement la perpétuelle, je dirais oui. Et il sera là présent dans tous les films. On avait parlé de cela la dernière fois, où j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Cette notion de grisaille, c'est-à-dire dans le film, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais cette notion de grisaille, c'est-à-dire dans le traitement, je dirais, de l'histoire, où il n'y a pas une fin en soi, c'est-à-dire la fin du film, il y a peut-être une ouverture, c'est-à-dire vous n'avez pas ces fins, là on se dit, oh, ça y est, vous vous posez, c'est-à-dire vous êtes dans le questionnement, avant et après le film, c'est ça. Mais cette notion de grisaille, je sais qu'on la retrouve, mais je parlais aussi de néo-réalisme, peut-être il y a une autre piste de réflexion, parce que le néo-réalisme, il y a plusieurs pistes. Le réalisme, voilà. Oh, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que je pourrais vous dire que... Moi, à chaque débat, après la projection des films, à chaque fois, je dis, je ne suis pas un philosophe du cinéma, d'abord. Donc, bien sûr, on est dans les scénaristes, on est réalisateurs, donc on est tout le temps dans cette quête de voilà, chercher quelque chose. De vérité, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de fort intérieur. Oui. Voilà, on est en train de rechercher quelque chose qui est vraiment profond. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je dirais que, par rapport à Terre de Vengeance, bien sûr, est-ce que on est dans une continuité comme ça par rapport au premier? Je dirais non. D'accord, ok. Je dirais non. Je pense que le traitement filmique n'est pas le même. Parce que cette fois-ci, j'ai tenté une nouvelle approche filmique en fin de compte. Okay. Dans la vie d'après, je pense qu'il y avait un peu plus de découpage technique. Mm-hmm. Je pense. Hein. Là, on part vraiment sur des plans séquences. Je pense que la plus longue séquence, je pense qu'elle contient trois plans. C'est la plus longue. Elle contient trois plans. Donc, c'est vraiment, on est sur un plan et deux plans pour chaque séquence. Voilà. D'ailleurs, le cadre chez vous est très important. Vous aimez bien les grands, les cadres. C'est, voilà, c'est au millimètre. Ou la nature aussi a son importance. J'ai vu ça aussi. Oui, et donc, cette fois-ci, comme j'ai eu comme DOP, on a eu Hamoudi Laghoun. J'ai eu le plaisir de le recevoir. Et sa rigueur et son professionnalisme. Et donc, on était sur, Sylvien vous le dira, on était sur un cadre, mais millimétré. C'est, voilà. Cette fois-ci, c'était au millimètre. La symétrie, elle a été mais respectée comme pas possible. Pourquoi ce choix? C'est un choix? Dans ma vie, je suis comme ça. D'accord, ok. Voilà.
Voilà. Je suis comme ça. Voilà. Il y a plus J'aime de pas quand vous, les il y a de. choses dépassent. Voilà, Quand les d'accord. choses débordent, j'aime pas. Bon, je dirais que je suis peut-être carré, hein, bon. Non, non, pas Mais du bon, tout. c'est comme ça. Non. Ouais, assez asymétrique. Non, ça aussi, c'est pour garder, c'est de le cap aussi. C'est pour avoir un cap par rapport à votre histoire. Vous n'aimez pas que les choses débordent, donc garder un C'est cap par rapport à l'histoire. je pense que ouais, peut-être un peu plus pour Terre de Vengeance, c'est que le fil conducteur est très très fin. Le fil est D'accord. très très fin, et donc, comme d'ailleurs dans la vie d'après, c'est peut-être que c'est de la peur comme ça, Voilà, peur de basculement, de de sortir du basculement. cadre et C'est de perdre ça. le fil C'est ça, c'est conducteur. ça. Donc c'était vraiment asymétrique, et bon, on discutait pour chaque plan avec Hamoudi sur le plateau. Et voilà, je pense qu'on a réussi quand même à garder Ce cap. ce cap-là, assez asymétrique, des cadres fixes, bien sûr, comme d'habitude. Il y a quelques travelling, mais très très rares. Voilà. Et donc, ouais, je pense qu'on a quand même réussi à garder un cap, je parle du cadre, hein. Très très rigoureux, très très épuré, voilà. Alors, la dernière question, Ouais. vous avez prévu la sortie du film pour quand? C'est-à-dire, vous êtes en post-prod, vous avez une date précise, non? Non, une date précise, non, mais on va faire, parce que bon, il y a eu le financement du film. Ben je Bon, sais, voilà, faut expliquer voilà, pour comment cela se passe, que ce n'est non. pas valable. Ouais, non. Donc il y a eu le financement du film, donc on a vraiment épuisé, on était vraiment dans la retenue, hein, Voilà. vraiment dans l'économie. Voilà, on a eu de quoi tourner en fin de compte. Donc il y a besoin de quoi, Bien sûr, aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, pour il y la a besoin. post-prod. Bon, on a quand même entamé La procédure, le le montage. montage, On est oui. au pré-montage, bon, entre transcodage, synchronisation, et là on commence le pré-montage. Mais bon, il va falloir un budget de plus. Moi, je ne demande pas beaucoup pour faire des films, hein. On ne Ce demande qui est pas. normal. Ouais, C'est un voilà. minimum, hein. On a fait les films, comme les courts-métrages, comme la vie d'après, c'est un minimum de budget. Donc voilà, il nous faut encore un petit budget pour terminer le film, pour le finaliser. Et espérons qu'on sera prêt, mais prêt, hein. Le film sera vraiment prêt pour le début septembre. Début septembre. Bah, c'est ce qu'on espère pour vous. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation, Nigel. Ce fut un plaisir et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Voilà. À bientôt et je Inch'Allah. dirais, le cher téléspectateur, merci encore une fois d'avoir suivi cette émission. Bah, je vous dis à bientôt. Je remercie toute l'équipe du Studio 7, la réalisatrice, la script et toute l'équipe, les caméramans, la caméra woman, bien sûr, qui est en train de faire un petit coucou. Voilà. Sur ce, je vous dis.